Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs algériens, marocains, tunisiens et tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je suis venue juste pour dire deux, trois trucs qui me chagrinent un peu à propos de l'émission qui est passée sur France 5. En disant Algérie mon amour, le titre, voilà. Franchement, je suis très déçue. Les petites minettes là qu'ils en parlaient, elles représentent pas la femme algérienne, voilà. Déjà de un, elles représentent pas la femme algérienne. Et je voulais juste savoir combien ils vous ont donné pour dire tous ces mensonges sur la femme algérienne. La femme algérienne, elle a toujours été libre. Elle a toujours travaillé. Elle s'est toujours battue aux côtés de l'homme algérien. Qu'est-ce que vous nous racontez? Et en plus, la petite gamine est là de 25 ans qui parle de la dizaine noire. Elle était où, toi, dans la dizaine noire? Ta mère, elle te mettait les couches. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Parce que franchement, vous avez sali la femme algérienne. Et je demande, autant que femme algérienne, à celui qui a fait l'émission et à ceux qui l'ont passé, TV5, de demander des excuses à la femme algérienne. Voilà. Parce que si vous voulez votre sexualité, boire de l'alcool et tout, c'est votre problème. Mais ne mêlez pas les deux, ne mêlez pas la femme algérienne, nanani, nanana, nanana. Celle qui veut sa liberté, elle la prend. Là, il n'y a pas de souci. Je m'en fous. Que tu bois, que tu couches avec Pierre, Paul, Jacques, ça c'est ton problème. C'est ta vie, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Mais dire que la femme algérienne, elle est martyrisée, abattue et tout. Même la femme française, anglaise, espagnole, elle est abattue aussi. Et peut-être plus que d'autres. Alors, bleu femme comme, yek, va manger ton bout de pain et tais-toi. Et n'goul khaja, si tu galères, chahfik. Parce que Lèche, c'est pas une vraie Algérienne. Les trois qui en parlaient. Voilà. Et pour les mecs, normalement, Hadrou El Jazeir, parlez de votre pays. Dites ce qu'il vous manque. Dites ce qu'il faut faire pour arranger les choses. Mais ne tailladez pas votre pays. C'est comme si vous avez parlé mal de votre mère, ou de votre père, ou de votre soeur. L'Algérie, peu importe les problèmes qu'il y a dedans, peu importe les soucis qu'il y a, c'est votre pays. Il y a 1 million et 1 demi-million de martyrs. Et toi, tu viens maintenant, ah ouais, on n'a pas la liberté parce qu'on ne boit pas du pastis et du... Tu veux boire du pastis, bois du pastis. Tu veux faire ce que tu veux. Mais arrêtez de salir l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est un beau pays. Et les Algériens, c'est des vrais hommes. Les Algériens, c'est des vraies femmes. C'est des battants. Que l'homme, que la femme. Et ils se sont toujours battus côte à côte. Alors que tu viens me raconter, toi, nanani nanana, tu veux pas être musulman, c'est ton problème aussi. On a compris le message, d'accord? Tu veux coucher à 16 ans avec les mecs, c'est ton problème aussi. Tu veux boire, c'est ton problème. Tu veux faire, excusez-moi pour le mot, et je veux le dire, la pute aussi, c'est ton problème. Mais ne mêlez pas la femme algérienne là-dedans. Vous n'avez rien compris à la vie. Je crois que vous portez encore des couches. Alors fermez votre bouche. Laissez la femme et l'homme algérien, l'Algérien en général, tranquille. Et ceux qui ont fait l'émission, le reportage. Et on demande, on exige des excuses. Et là, ce ne sera pas ma dernière vidéo. C'est la première, mais ce n'est pas la dernière. Bisous à mes chéris. Et vive l'Algérie, et on est fiers d'être Algériens.